Bonjour, nouvelle journée. Je vais chercher le petit-déj. Ah, je suis pas fraîche. J'ai mal au crâne, j'ai la tête qui tourne. Bon, bah, c'est un peu normal, on va dire que ça va évoluer, j'espère, dans la journée. Je sais pas si je vous avais dit, mais on a précommandé. Si, je crois. Les petits-déj, on a noté ce qu'on voulait. Réception. Je suis habillée rapidement. Je pense pas que je vais mettre ça. C'est bien d'avoir le masque, finalement. Peut-être. Ah oui, d'accord. Ouais, tout à fait. Merci. Allez, on va porter ça. Merci. Oups. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous pouvez poser ça là, s'il vous plaît. Hop là. Tous les pots au chocolat croissants sont là, le pain. C'est incroyable. Après ce petit déjeuner qui m'a fait grand bien, surtout le café, je vais me maquiller et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous montrer. Ça aussi, ça faisait partie des achats que j'avais acheté chez Sephora. Ce fond de teint poudre Urban Decay. Alors, c'est pas une nouveauté, mais c'est pas super vieux. Ça doit avoir 3 mois. Il est génial. C'est vraiment tout ce que je recherche. C'est-à-dire que ça ne tiraille pas. Il y a une couvrance qui est modulable. Et c'est le donc Stay Naked The Fix. J'ai pris la teinte 500WX. Il me plaît tellement. Je sais que dès qu'il sera terminé, je le rachète. Voyez. Comment c'est la texture, donc il y avait, c'était écrit Urban Decay, mais forcément dès l'instant où tu mets la houppette qui est en dessous, deux fois, ça part. Je cherche le meilleur angle, parce que alors, il y a quand même du vent. Ce midi ça va être pizza, donc on est en train de commander des petites pizzas, et on va aller acheter aussi un dessert, je pense des amis, des miniatures, des mini-ardis. Je pense qu'on va, j'aimerais bien retourner quand même à la plage, hein, parce que c'était assez rapide. Vous voyez pas mes yeux. Ouais, ça pourrait être cool. C'est quand même pénible, hein. Ça fait drôle quand t'es pas habitué, le masque partout, partout comme ça. Enfin, je dis partout, mais... Je me suis enfin décidée, ça fait un mois et demi, voire 2 mois que j'ai ça. Il y a 10 euros, c'est le moment. C'est quand même meilleur là, le temps. Il y a de la vague là. Ah ouais, ça sent les vacances, ça sent la pâtisserie et la mer en même temps. On va aller, comme je vous disais, petite boulangerie. Vous vous rappelez, je vous avais dit ce coin, très sympa. Et là, il y a du monde. Ah bah voilà, le galion. Ça non, spécialité macaron, je pense. Ça super sympa de mettre ça sur une palette. On prend également le chou du moment, c'est de la chantilly. Alors c'est chantilly chocolat blanc. Ok. Voilà. Nous allons prendre une tartelette framboise. Une part de flan. Et je vais prendre également, allez, une polonaise. Je vais prendre également ça. Je trouve que ça sympa comme tout. Il y a une boutique dédiée à l'univers d'Harry Potter quand même. Bon, bah écoutez, je trouve que c'était un peu cher quand même. Juste, vous avez vu ou pas? Je sais pas si vous avez reconnu, j'ai le même. J'avais acheté la papeterie, là, le carnet. Et là, il y a 19,50 je crois. Et je crois que je l'avais acheté vachement moins cher. Il est 3h20, vous l'aurez compris, on repart, on rentre à la maison, on va retrouver qui? Bébé Saké.
Est-ce que vous avez déjà vu un arc-en-ciel comme ça? Je n'ai jamais vu ça. On a quitté l'autoroute, c'était une catastrophe. Beaucoup trop de monde, trop de pluie, t'avançais à 2 à l'heure. Oh, on a fait une pause, j'ai la tête explosée, pour une petite pause pipi. Justement, là, il y a l'arc-en-ciel. On est Château de Montmirail, dans la Sarthe, si vous voulez dire. Regardez, en vrai. Alors ? Ben, j'hallucine. T'as l'impression que tu peux même le toucher. Le fait qu'on le voit comme ça, c'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. C'est bluffant. Oh, mais non, mais par contre, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Mais les gens, c'est pas possible, tous ces déchets, là ? Lamentable ! Lamentable ! Ça caille par contre, t'as vu? Ouais, les couleurs, j'aime beaucoup. On aurait pu faire des belles photos, mais vu ma tête en chasse. Ouais, on a changé de route, donc ça nous a un petit peu rallongé, mais tant pis, c'est tellement beau. Oui, je fais attention à mes pieds. Il a lavé toute la voiture, donc bon. Tant qu'à être dans le coin, je vous présente le château de Montmirail. Très joli. Très très joli. Et franchement, on tombe sur des petits coins là. Impressionnant, c'est beau. Eh, c'est un achat utile, non? La petite parka, elle est super jolie, hein? Très chic. Sur ce, on rentre. Je pense pas qu'on aille au salon de thé. Je sais pas du tout si c'est vraiment le château où il y a eu le tournage des visiteurs. Faudrait que je regarde avant que je dise une connerie. Oh. Alors, on est revenu, Bilou. Oh oui. Ah là là là. Au fait, je vous avais pas montré le plaid avec les coussins, ça rend super bien, je trouve. Bon, là, c'est lui qui a dû en mettre un peu partout. Il a dû passer les week-ends là. Qu'est-ce que c'est? Bon, c'est brillé la petite saucée quand même. On a nourri mon bébé Zaki, il est content, il est en train de me faire des caresses pour me remercier. Mange bébé, mange. C'est bien. Je vais terminer maintenant. 19h, on a mis 4 heures, tout petit peu plus de 4 heures. C'était très sympa ce petit séjour, très rapide, hein, on est d'accord. Je vais débarrasser tout ça, me poser et puis terminer maintenant ce vlog. Je vous retrouve demain pour un prochain. Ça marche? Allez, salut!